Alors, bonjour tout le monde, ou rebonjour si c'est une seconde présence parmi nous aujourd'hui pour ce magnifique colloque consacré au personnage de Louis de Buade, comte de Frontenac. Ce matin, on a eu le plaisir d'entendre M. Roger Barrette qui nous a bien expliqué qui est ce personnage-là. Mais pour poursuivre notre exploration, pour aller dans une thématique que vraiment, et moi je suis la première à l'admettre, on connaît très très peu, ce sont ses rapports avec les nations amérindiennes, les Premières Nations. Et pour nous en parler, nous aurons le plaisir pour la prochaine heure d'accueillir M. Maxime Goyer. Maxime Goyer est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski. Il est spécialiste des Autochtones sous les régimes français et britanniques. Il s'intéresse particulièrement à l'histoire politique des communautés amérindiennes et de leurs relations avec l'État, de même qu'au patrimoine documentaire. Il est notamment l'auteur de « Ononcio le médiateur, la gestion des conflits amérindiens en Nouvelle-France » qui est paru chez Septentrion, et aussi d'une thèse de doctorat sur la pratique pétitionnaire des Autochtones dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, il va nous entretenir plus particulièrement sur les « paroles » entre guillemets de Frontenac aux ambassadeurs autochtones, discours d'un mythomane. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Accueillons, s'il vous plaît, Maxime Goyer. Bonjour tout le monde. Merci de votre accueil. Le titre de ma communication d'aujourd'hui est peut-être légèrement trompeur. En effet, en intitulant ma présentation « Les paroles de Frontenac aux ambassadeurs autochtones, paroles d'un mythomane » avec un point d'interrogation, je souligne, j'ai employé un terme qui est peut-être un peu exagéré, évidemment. Mais c'est dans l'espoir de susciter votre intérêt. La notion de mythomanie est généralement associée à un trouble psychologique de la personnalité caractérisé par le fait de mentir sans même s'en rendre compte. Un tel trouble relève donc de l'analyse psychiatrique ou psychanalytique et vous comprenez que je n'irai pas dans cette zone-là aujourd'hui. Je ne pourrais que m'y enfoncer. Alors, en fait, par ce titre-là, j'ai plutôt voulu souligner à quel point Frontenac pourrait avoir, à travers son rapport au discours et à l'oralité, donc lui-même construit un mythe autour de sa propre personnalité. On devrait peut-être plutôt parler d'auto-mythification. Quoi qu'il en soit, ce que je veux aborder cet après-midi avec vous, c'est la place fondamentale que le célèbre Louis de Buade, comte de Frontenac et de Paluau, a accordée dans le cadre de ses deux mandats comme gouverneur de la Nouvelle-France, à l'art oratoire, tout particulièrement à l'éloquence. À mon avis, c'est pour cette raison que Frontenac est un personnage aussi connu aujourd'hui et qu'il nous fascine encore autant les chercheurs, les historiens que les passionnés d'histoire. Beaucoup plus, d'ailleurs, je crois, que quelques réalisations que Frontenac aurait pu faire, donc des accomplissements, si je pourrais dire, qu'il aurait réalisé dans sa carrière. Accomplissements qui, d'ailleurs, sont parmi, je dirais, les plus débattus dans l'historiographie depuis presque le premier jour du premier mandat de Frontenac. Donc, c'est pour dire. D'ailleurs, je ne serais pas vraiment surpris qu'il soit l'un des gouverneurs généraux les plus connus de la Nouvelle-France, pour ne pas dire l'un des administrateurs de la colonie, dont je suis à peu près certain, ici, la plupart d'entre vous seriez capables de citer des mots. Et je sais lesquels. À ce sujet, les commentaires sur l'éloquence de Frontenac ne manquent pas dans l'historiographie. Vous voyez, ici, Francis Parkman, je ne sais pas si certains parmi vous le connaissent, très grand historien américain de la toute fin du 19e siècle et du début du 20e, historien américain qui a été hautement critiqué au 20e siècle, surtout au milieu du 20e siècle, notamment par un de nos seuls autres biographes de Frontenac, William Eccles. Parkman, qui, dans son ouvrage « Le comte de Frontenac et la Nouvelle-France sous Louis XIV », publié en 1899, écrivait, presque au tout début de l'ouvrage, il écrivait extrêmement bien. On dit aussi qu'il excellait comme orateur. Il n'a certainement jamais répugné aux sonorités de sa propre éloquence. Évidemment, c'est ici une traduction de mon propre cru, aidée par le logiciel DeepL. C'est pas étonnant que Parkman ait ainsi admiré Frontenac, puisque celui-ci était déjà admiré pour cette qualité dès le moment de sa mort. En effet, à ses obsèques,
en 1698, le Récollet Olivier Goyer, qui d'ailleurs n'est pas mon aïeul, s'il l'était, on aurait un problème, qui fit le panégyrique du gouverneur défunt, soulignait précisément ce trait de la personnalité du gouverneur. Il écrivait à la toute fin d'un long panégyrique, finalement, où il affublait Frontenac de toutes les grandes qualités que la Terre ait pu connaître. En fait, il reprenait essentiellement, comme le montrait un autre chercheur, l'oraison funèbre du maréchal de Turenne, qui a été transposée pour Frontenac. Mais bref, il écrivait, et ça, c'est bien à propos de Frontenac, « Cet homme sage que le Sénat de Venise, cet aréopage de l'Italie, écouta avec une respectueuse attention, parce qu'il y parla avec toute la force de cette éloquence que vous avez admirée depuis. » Là, on parle, M. Goyer s'adresse évidemment à la société coloniale à laquelle il parle au moment des funérailles. Donc, messieurs, dans des assemblées publiques, éloquence qu'il avait reçue de la nature cultivée par les études. Normalement, si je parle de l'éloquence de Frontenac, la plupart d'entre vous, j'ai fait la blague tantôt, auraient inévitablement en tête l'image de la célèbre réponse qu'il aurait, et je souligne ici « aurait », faite aux trompettes de William Phipps, donc en 1690, qui s'était présenté à lui au château Saint-Louis, juste là-bas, pour le sommet de rendre la ville de Québec à son amiral Phipps, et auquel Frontenac répartit, je prends ces termes, qu'il ne voulait pas lui donner de réponse par écrit. Voilà. Et ajoutait, « Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil, qu'il apprenne que ce n'est pas de la sorte qu'on envoie sommer un homme comme moi, qu'il fasse du mieux qu'il pourra de son côté, comme je ferai du mien. » Donc, la célèbre tirade que vous connaissez. Et tirade, en fait, parce que, effectivement, ce petit passage-là que vous connaissez s'inscrit dans un long discours de Frontenac et il n'en est que la conclusion. Alors, au moins deux autres de ces discours prononcés dans la société coloniale sont assez connus. On sait notamment qu'il a prononcé à son arrivée dans la colonie en 1672, donc au moment de son premier mandat, au Conseil souverain, le 17 septembre, un discours qui est assez bien connu. Et un autre qui l'est encore plus, celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quand il a rassemblé les États généraux. Frontenac s'est fait critiquer d'ailleurs par le ministre pour avoir convoqué les États généraux. On lui a dit que le roi avait abandonné cette tradition-là en France depuis des siècles et qu'il n'était pas du mandat d'un gouverneur de faire ce que son roi ne faisait même plus dans son royaume. Alors, il sera semoncé pour ça dès son arrivée, mais néanmoins, Frontenac, quand il rassemble donc les trois États et les sépare par État, leur dit « Je puis vous répondre, messieurs, qu'il ne sera pas difficile à ce grand ministre, Colbert, d'obtenir de Sa Majesté toutes les grâces, toutes les faveurs et tous les secours que nous pouvons désirer. Il serait donc inutile de vous exhorter d'entrer dans ses sentiments, puisque vos propres intérêts vous y engagent. Il ne me reste, messieurs, pour finir ce discours, qu'à vous protester que je m'estimerai heureux de consacrer toujours tous mes soins, toutes mes veilles, toute mon application et ma vie même, s'il est nécessaire, pour l'augmentation de l'Empire de Jésus-Christ dans toutes ses contrées et de la domination du roi sur toutes les différentes nations qui y habitent. » Mais alors, si Frontenac est bien reconnu, on le sait bien, pour ses harangues, pour son éloquence, quel rôle ses discours aux nombreux ambassadeurs autochtones avec lesquels il a eu à parlementer durant les 20 années de ses deux mandats? Donc, quel rôle ces discours-là ont-ils joué dans le processus qui nous fait qu'aujourd'hui, on connaît bien Frontenac et qu'on se souvient de lui surtout? Parce que, assurément, Frontenac est célèbre aussi pour ce que j'appellerais sa politique autochtone. Et par célèbre, je ne veux pas dire qu'il soit nécessairement glorifié ou glorifiable. En effet, on a longtemps débattu dans l'historiographie, et on débat encore, sur la pertinence de son attitude à l'égard des Premières Nations. Plusieurs ont souligné, et je m'inclus parmi ceux-là, que son intransigeance vis-à-vis des cinq nations iroquoises, notamment, avait largement contribué à faire advenir la Grande Paix de Montréal de 1701, événement que vous connaissez probablement tous. Attitude qui a été comparée
à la faiblesse d'un Labarre, par exemple, qui lui a succédé en 1682 et qui a fait la paix honteuse de la famine, ou encore à un Denonville qu'on a davantage critiqué pour sa duplicité, pour avoir capturé les 50 Iroquois au fort Cataraqui et les avoir envoyés aux galères du roi. Donc, d'autres, dont notamment l'historien William Eccles, ont lourdement critiqué les décisions de Frontenac, qu'ils ont principalement associées au désir du gouverneur de s'enrichir personnellement en développant à tout prix et en contrôlant totalement le commerce des fourrures dans la région des Grands Lacs et du Mississippi, avec son fidèle acolyte, Cavalier de La Salle. Ces critiques ne manquent pas, d'ailleurs, de souligner à quel point Frontenac a pu promettre s'en tenir, faire preuve de fourberie et de cruauté à l'égard de certaines nations autochtones, dont notamment les cinq nations iroquoises, mais aussi à l'égard des Hurons, de Michilimackinac, les Wendat, à l'égard des Outaouais, les Ojibwé. Je ne souhaite pas vraiment rouvrir ce débat, hein, qui finalement ne me semble plus vraiment d'actualité. En effet, peut-on encore sérieusement aujourd'hui se demander si la politique de Frontenac était bonne ou mauvaise à l'égard des Autochtones? Je pense qu'il est franchement très évident que la réponse ne peut être autre chose que Frontenac était fondamentalement un colonisateur, hein, qui a contribué à l'usurpation de la souveraineté des Premières Nations, des nations autochtones de l'Amérique du Nord. Donc, là-dessus, je pense qu'il n'y a plus vraiment de débat. Et ce n'est pas là-dessus que je veux rouvrir le débat. Plutôt, je souhaite aborder la question des discours de Frontenac à l'égard des Autochtones en m'intéressant d'abord à la place que ces discours occupent à l'intérieur même du corpus documentaire de la Nouvelle-France, c'est-à-dire des archives officielles de l'administration coloniale qui étaient transmises à Versailles et qui sont aujourd'hui conservées aux Archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence, ainsi que des imprimés de l'époque, essentiellement des récits de voyage, publiés à différents moments par des auteurs comme le baron de Lantin, Bacqueville de la Poterie, Charlevoix plus tard. Je tâcherai aussi de mettre en évidence certains éléments récurrents de ces discours qui permettent de mieux saisir la façon dont Frontenac instrumentalisait son oralité, l'oralité même, et son éloquence pour servir ses propres fins. Avant de commencer, il convient de présenter le corpus sur lequel j'ai travaillé, les sources, donc, les sources documentaires originales, avec lequel l'historien peut travailler. Alors, qu'est-ce que le corpus des paroles? Qu'est-ce qu'une parole? Ce que j'appelle parole autochtone ou parole de Frontenac, j'emprunte en fait un terme à la documentation elle-même. Ce qu'on appelle les paroles, c'est un corpus qu'on retrouve dans les archives coloniales, essentiellement à partir de 1682. C'est assez précis. Grosso modo, les discours des ambassadeurs autochtones sont rapportés dans la documentation au début de la colonisation, donc au début du 17e siècle, jusqu'à dans les années 1670, par les relations des jésuites. Donc, ce sont au départ les jésuites qui assistent au conseil entre les autorités coloniales et les autochtones et qui notent les discours de part et d'autre et qui les couchent par écrit et qui les diffusent dans leurs relations qui sont publiées annuellement. Évidemment, les relations des jésuites ont des objectifs qui leur sont propres. Donc, la façon dont les jésuites transcrivent ou pas dans les relations certains discours, il y a des raisons pour ça. Et je ne vais pas m'arrêter à ça parce qu'on pourrait en parler très longtemps. Mais les relations des jésuites cessent d'être publiées en 1672. On a quelques relations inédites qui sont écrites, transmises en France, mais non publiées entre 1973 et 1980. Mais déjà, en 1972, c'est la fin de la publication officielle des relations par l'éditeur Sébastien Cramoisi à Paris. Alors, dès ce moment-là, l'année suivante, Frontenac se rend au lac Ontario, va construire le fort Frontenac, de son nom, en 1673. Et étonnamment, le premier document qui nous rapporte concrètement une harangue d'un d'Autochtones et du gouverneur
qui ne se retrouvent pas dans des relations des Jésuites, eh bien, c'est ce compte-rendu du voyage de Frontenac à Cataraqui en 1673. On retrouve dans les archives quelques autres documents qui rapportent des discours autochtones avant celui de 1673. Et c'est essentiellement quelques traités de paix conclus en 1665 et 1666 entre Prouville-de-Tracy et les Cinq Nations iroquoises, sauf les Agnés, évidemment, qui n'ont pas voulu signer, et qui ont été publiés dès l'année suivante en France comme étant les traités de paix conclus entre le roi de France et les nations iroquoises. Alors, ben, ici, vous avez en fait les documents manuscrits à votre gauche et à droite, le document imprimé, donc édité en France l'année suivante. D'ailleurs, il nous manque dans ces discours-là le principal traité le plus célèbre, celui de 1667, qui n'a jamais été retrouvé et qu'on espère un jour retrouver. Mais bref, à partir de Frontenac, à partir de l'expédition au Fort Frontenac en 1673, on va commencer à enregistrer, non plus laisser les Jésuites s'occuper de noter les discours, mais ce sont les secrétaires des gouverneurs qui vont commencer à s'occuper de noter les échanges diplomatiques entre le gouverneur et les ambassadeurs autochtones. D'où le fait que j'appelle ces documents des documents administratifs, civils, et qui vont graduellement se standardiser pour acquérir une forme qui sera, au début du 18e siècle, assez standardisée, c'est-à-dire que vous avez sur une page, comme ça, d'un côté, les paroles de l'ambassadeur autochtone venu trouver le gouverneur, et de l'autre côté, les réponses égales, une à côté de l'autre, qui se répondent l'une à l'autre. Et ce type-là de document va se standardiser et va perdurer jusqu'à la fin du régime français. Et ils sont propres au Canada, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve pas dans aucun autre fonds d'archives que les archives de la colonie canadienne, C11A. On n'a pas ça en Louisiane, on n'a pas ça ailleurs. Donc, c'est particulier à notre administration et donc à l'administration du gouverneur général de la Nouvelle-France, qui est le seul qui a autorité à conduire les affaires diplomatiques avec les Autochtones. Alors, ce qu'il faut savoir aussi de ces documents-là, c'est qu'on ne les a pas tous. C'est une évidence quand on y pense, mais on ne s'en rend pas compte quand on est dans les archives. Parce que quand on est dans les archives, on trouve ce qu'on trouve. Et là, ben, on a l'impression que tout est là. Mais quand on s'y arrête un petit peu, on se rend compte qu'on n'a que quelques documents qui sont parvenus au fond d'archives. Pourquoi? Parce que les comptes rendus de discussion qui étaient notés par les secrétaires étaient conservés ici, aux archives à Québec, dans les archives privées des gouverneurs qui pouvaient se les transmettre les uns après les autres. Les intendants avaient eux aussi leurs archives privées qui pouvaient se transmettre ou pas. Plusieurs sont rentrés dans la métropole avec leur fonds d'archives. Et on envoyait seulement les documents dont on avait besoin pour légitimer auprès du roi la conduite qu'on tenait dans la colonie. Donc, celles qu'on retrouve dans les archives qui ont été conservées à Versailles, au ministère de la Marine et des colonies, bien, ce sont les comptes rendus des discussions que le gouverneur ou quelqu'un d'autre avait intérêt à envoyer en France pour expliquer pourquoi il avait tenu une certaine attitude, un certain discours, une politique particulière à l'égard des communautés autochtones. D'où le fait que je dis que c'est des documents qui sont sélectionnés. Par ailleurs, depuis quelques années, le corpus des discours de Frontenac, donc, il n'a jamais été jusqu'ici étudié de façon systématique, mais il y a un intérêt particulier qu'on voit émerger parmi les chercheurs à l'égard du corpus global des paroles autochtones. Alors, il y a une vingtaine d'années, notamment Marie Parent et Réal Ouellette avaient souligné que les discours autochtones rapportés dans les relations de voyage des 17e et 18e siècles constituaient une forme d'imposture. C'est-à-dire que c'était une façon, selon eux,
pour les relateurs, donc les auteurs des relations de voyage, les explorateurs souvent, comme Hennepin, comme Lassalle, comme Lahontan. Donc, de s'approprier la parole de l'autre, donc de prendre la parole autochtone pour mieux la contrôler ou, on pourrait dire aussi même, la coloniser, cette parole-là. Donc, jusqu'ici, jusque dans les années, je dirais, 2000 environ, les historiens s'intéressaient surtout aux paroles autochtones, paroles des autochtones, pour souligner à quel point les ambassadeurs avaient de l'éloquence, à quel point les chefs autochtones avaient de l'éloquence et qu'ils savaient bien parler, qu'ils attribuaient énormément d'importance au discours, à la métaphore, aux gestes, à l'éclat, puis à la capacité de convaincre. Dans un article intitulé « Paroles aiguisées, textes émoussés, guerre, commerce et administration coloniale en Nouvelle-France », ma collègue Catherine Brouet à l'UQAR, qui est spécialiste des récits de voyage de Hennepin notamment, a déjà souligné à l'égard de certains discours de Frontenac, précisément ceux de 1682 dont je vais vous parler tantôt, que sur le plan rhétorique, ces discours sont d'autant plus curieux qu'ils s'adressent à des destinataires très différents. D'une part, et là on parle d'un même document, la transcription d'un texte, d'un discours soit du gouverneur, soit de l'ambassadeur autochtone. Donc, d'une part, le discours du gouverneur s'adresse aux Iroquois, à la fois aux porte-parole Iroquois qui viennent rencontrer le gouverneur, mais aussi aux Iroquois qui sont, qu'on dit, domiciliés, donc les alliés des Français qui sont établis dans la colonie et qui assistent, eux aussi, aux discussions. Donc, d'une part, aux Iroquois, porte-parole et domiciliés, devant qui Frontenac fera relire l'un de ses documents pour en attester l'exactitude. D'autre part, au roi et à son ministre Colbert, qui pourront éventuellement constater l'habileté diplomatique du gouverneur qu'ils viennent de limoger. On se souvient qu'en 1682, Frontenac vient tout juste d'être appelé en France. Et c'est à ce moment-là précis qu'il envoie des discours à l'égard des Autochtones. Et c'est clairement indiqué dans la correspondance que ces discours-là, c'est sur les pages à l'endos des discours, on voit que ils sont pour justifier ses actions dans la colonie. Donc, c'est même écrit, un peu naïvement, je dirais, sur le document. Alors, le roi et Colbert, donc, qui pourront éventuellement constater l'habileté diplomatique du gouverneur qu'ils viennent de limoger et prenant connaissance de la réponse qu'il aura adressée au porte-parole iroquois, en prenant connaissance. Jouant sur ce double registre de lecture, ces procès-verbaux déploient un système de représentation retors où le porte-parole et les nations qu'ils représentent doivent pouvoir se reconnaître, mais qui n'empêchera pas Frontenac d'apparaître sous un jour favorable en tant qu'administrateur de la colonie. Donc, on voit que dans les discours qui sont envoyés, il y a déjà un processus de travail sur le texte, sur la rhétorique, qui vise non seulement le public qui est présent au moment où les discours sont prononcés, mais aussi le public qui recevra plus tard ces documents-là qu'on enverra en métropole. Marie-Christine Pioffet, pour sa part, écrit à propos des paroles contenues dans les relations publiées dans un journal français qui s'appelle le Mercure Galant et qui sont publiées à peu près à la même époque qu'elles sont produites, c'est-à-dire l'année suivante, pour des relations qu'on connaît très, très peu, mais qui datent du début du 18e siècle. Donc, elle souligne le caractère utilitariste, voire travesti, du discours qui est rapporté. Donc, elle écrit qu'à défaut de dresser un état objectif de la situation en Nouvelle-France, le Mercure Galant nous transporte, sous l'angle des ruses du discours et des stratagèmes déployés sur le front de la diplomatie intercoloniale, qui s'exprime tant autour du calumet qu'au-dessus de l'encrier, donc au moment d'écrire le discours. Alors, que faisons-nous donc avec ce corpus? Premièrement, ce qu'on remarque dans le corpus des discours de Frontenac aux Autochtones, c'est l'importance que Frontenac attache au rapport entre oralité et écriture. Donc, vous voyez ici, dans son premier discours de 1673, donc son premier discours transcrit, et il n'y en aura pas d'autres, je précise,
avant 1682. Donc, au moment de son arrivée et au moment de son départ, on a des discours. Il en existerait probablement un. En fait, il en existe un que je n'ai, sur lequel je n'ai pas réussi à mettre la main à la Bibliothèque nationale de France. Difficile à trouver, en 1676. Bon, va falloir faire des recherches là-dessus. Mais bref, on en a au début et à la fin de son mandat. Et dans les deux, on voit exactement la même rhétorique de Frontenac qui insiste, en fait, pour souligner aux Autochtones qu'il a fait écrire leur discours et qu'il a fait écrire aussi ses réponses pour pouvoir témoigner aux Autochtones que ces discours-là sont vrais et qu'ils reprennent mot pour mot ce qui a été dit. Alors, il écrit ici en 1672, « Afin que vous soyez pleinement instruits de tout ce que je vous ai dit, j'ai choisi le sieur Lemoine, à qui je vais donner par écrit ce que je viens de vous dire, pour qu'il vous l'explique mot à mot, et que vous ne perdiez pas une seule de mes paroles. Écoutez-le donc attentivement. Voilà de quoi ouvrir vos oreilles, afin que dans un jour ou deux, vous vous disposiez à entendre les pensées d'Onuncio. » Onuncio, c'est le nom du gouverneur que les Hurons, Iroquois et autres nations autochtones lui ont donné depuis 1645 et que chaque gouverneur reprend les uns après les autres, reprennent les uns après les autres. Lors, M. le comte donna le papier qu'il tenait au sieur Lemoine et fit présenter aux sauvages un fusil par chaque nation, quantité de rassades, de pruneaux et de raisins pour les femmes avec du vin, de l'eau, de vie et du biscuit. Alors, on voit dans le document même, dans le texte du discours, que Frontenac souligne qu'il a fait écrire les paroles. Est-ce qu'il l'a dit? On ne sait pas. Mais pour le roi en France, pour le ministre en France, c'est important parce que ça démontre, ça témoigne d'un processus rigoureux d'annotation, de transcription du document. Est-ce que c'est vrai ou pas? Allez savoir. Mais pour Frontenac, c'est important de le dire. C'est ça qui compte. Alors, on retrouve la même chose, comme je vous ai dit, dans les textes de 1682. Et je ne vous les relirai pas là, pour pas empiéter trop sur le temps que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos paroles? Eh bien, dans le premier mandat, comme je vous disais, on en a essentiellement quatre. Oh, j'ai fait une petite erreur de datation. Alors, on a le discours aux cinq nations iroquoises au fond Frontenac, dont je vous ai parlé. On a un discours aux cinq nations à Montréal en 1676, que je n'ai pas retrouvé. On a un discours aux Outaouais et aux Hurons en 1682, non pas 81, et un discours aux cinq nations iroquoises à Montréal le mois suivant, 1682. Alors, vous voyez ici notre premier document qui rapporte les harangues de M. le comte de Frontenac aux Iroquois en 1673. Ce discours-là leur est présenté au lac Ontario au moment où il vient de commencer la construction du fort Frontenac. Et ici, vous voyez donc l'évolution du corpus des paroles, comme je disais. Donc, on passe d'une administration qui est de type religieuse, dans les relations des Jésuites, à une administration de la parole qui est de plus en plus civile et administrative, ou étatique, si on préfère, avec le premier discours de Frontenac et le deuxième discours de Frontenac, qui date de 1682, à droite. Frontenac, donc, dès son retour dans la colonie, est déjà un personnage qui a fait sa marque. Vous voyez, on nous dit, et c'est le baron de Lantan, qui est présent dans la colonie à ce moment-là, qui écrit « Les nobles, les marchands et tous les habitants en général se préparent à faire de grandes réjouissances à l'arrivée de ce gouverneur, qu'ils attendent avec autant d'impatience que les Juifs font le Messie. Les sauvages, même des environs de la colonie, semblent en avoir une joie extraordinaire. Cela n'est pas surprenant, car ce gouverneur s'est fait considérer, non seulement des Français, mais encore de tous les peuples de ce vaste continent qui le regardaient autrefois comme leur ange tutélaire. » Donc là, on est dans le panégyrique, on s'entend. Un Lantan qui glorifie Frontenac, d'ailleurs, comme le feront plusieurs autres. Et il nous dit aussi, à propos des réjouissances qui se tiennent au moment de son arrivée, « Ces réjouissances durèrent et augmentèrent de jour en jour, jusqu'à ce qu'il partit pour Montréal, ce qui est une marque
du plaisir qu'on se fait de son retour et de l'assurance que l'on a que par sa sage conduite et son esprit sublime, il conservera le repos et la tranquillité qu'il a toujours su y maintenir pendant les 10 années de son premier gouvernement. Il est adoré de tout le monde. On l'appelle Redemptor Patria. Ce titre lui convient car sur le rapport de tous les habitants de ces colonies, tout était dans le chaos, dans la confusion et dans la pauvreté la première fois qu'il vint en Canada. Donc, grosso modo, la politique de Frontenac a été une politique très judicieuse pendant son premier mandat et il aurait donc gagné la confiance de tout le monde. Bon, je vais vous désabuser un petit peu. C'est n'importe quoi. Non, ce n'est pas du tout le cas. Frontenac, durant son premier mandat, donc, a construit le fort Frontenac en 1673 et il a donc établi le feu à Cataraqui. Qu'est-ce que ça veut dire établir le feu? Il a dressé la natte et allumé le feu à Cataraqui. C'est-à-dire que depuis le début des rencontres franco-iroquoises au début du 17e siècle, les deux groupes s'obstinent à savoir où le feu de leur rencontre sera allumé. Les Iroquois veulent l'allumer à Onondaga, la capitale de leur ligue. Les Français veulent l'allumer à Montréal. Vous savez qu'en 1701, on a planté un arbre à Montréal, le plus grand arbre de la terre, dont les racines s'étendent aux quatre coins du monde et sous les feuilles duquel toutes les nations peuvent venir se rassembler pour discuter avec le gouverneur. Grosso modo, c'est le symbole de la médiation française, de l'arbitrage français dans les conflits autochtones. Les Iroquois ont le même mythe au sein de leur système politique, le mythe fondateur de la Ligue iroquoise. À Onondaga est planté le plus grand arbre sur Terre avec ses racines et ses feuilles qui protègent les ambassadeurs de toutes les nations qui viennent se rencontrer à Onondaga. On a un conflit tout le long du 17e siècle et de part et d'autre, les Français tirent l'arbre de paix à Montréal pendant que les Iroquois le tirent à Onondaga. En 1673, Frontenac l'amène à Cataraqui. Et là, selon ce qu'on comprend, c'est pas certain, mais selon ce qu'on comprend, pendant une dizaine d'années, il se serait rendu annuellement à Cataraqui pour rencontrer les Iroquois. Donc, il aurait été là pour négocier avec eux, pour pacifier les conflits entre les Iroquois et les Outaouais et les Hurons. Et pendant ce temps-là, les Français développaient le commerce vers l'ouest avec les Miami et les Illinois. Les Iroquois entrent en guerre avec les Miami et les Illinois et ça ne fait plus leur affaire de se rendre seulement au fort Frontenac. Et en 1682, ils demandent à Frontenac de se rendre à Chouagan, ou si vous préférez, Oswego, qui est l'autre côté du lac Ontario, au sud, à l'entrée de la rivière Oswego, c'est-à-dire la rivière qui mène à Onondaga. Et on demande donc à Frontenac d'avancer son bateau jusqu'à Oswego, Chouagan, pour aller rencontrer les Iroquois. Et les Iroquois veulent lui demander essentiellement de les laisser attaquer les Illinois et les Miami. Donc, grosso modo, les Français ne seraient plus médiateurs de la paix entre toutes les nations, mais devraient abandonner des nouveaux alliés commerciaux et militaires qui sont les Miami et les Illinois, qui sont situés plus à l'ouest que les Outaouais et les Hurons. C'est donc dans ce contexte-là que Frontenac tient ses discussions et envoie notamment les messages en France en 1682. Alors, ce que je vais faire, je vais vous lire deux discours. Puis, ensuite de ça, je reviens avec ma présentation et je vous montre, grosso modo, ce qui est caractéristique des paroles. Et combien de temps il me reste? 10? OK. Alors, on y va et ça va débouler. Tenez-vous bien. Alors, en 1673, Frontenac, à Cataraqui, dit aux cinq nations, « Mes enfants, les Onondaga, les Agni, les Oneyout, les Goyogouins et les Tsonontoan. Je vous témoignais l'autre jour la joie que j'avais de vous voir ici arriver avec toutes les marques de soumission que des enfants doivent à leur père et avec une si grande confiance que vous y avez amené jusqu'à vos femmes et petits-enfants.
En vérité, vous adoucissez par là toutes les peines et les fatigues que j'ai souffertes en mon voyage et m'obligez par l'obéissance que vous avez eue pour mes commandements à vous donner toutes les assurances que vous sauriez souhaiter de mon amitié et de la protection du roi mon maître si vous continuez à observer fidèlement ses volontés dont je suis l'interprète et l'exécutant. J'ai même lieu de me persuader que vous n'y manquerez pas après les protestations que vous m'en avez faites et la connaissance que vous m'avez donnée de l'intelligence avec laquelle toutes les nations vivent maintenant, puisque vous m'avez assuré qu'elles étaient toutes dans un même esprit et qu'elles n'avaient que les mêmes sentiments. Et là, Frontenac parle des cinq nations entre elles. Mais comme il est du devoir des enfants d'être obéissants à leur père, il est aussi du devoir du bon père de donner à ses enfants les instructions et les enseignements qui leur seront le plus utiles et le plus nécessaires. Mes enfants, les Onontagués, les Agnés, les Onéyoutes, les Goyogouins et les Tsonontoans, je ne saurais vous en donner un plus important, ni qui vous soit plus avantageux que de vous exhorter à être chrétien et à adorer le même Dieu que j'adore. Alors là, Frontenac rentre dans tout un long discours sur les Jésuites et le besoin d'instruction. Et après avoir présenté donc, les deux principes de la religion, qui sont aimer Dieu et aimer son prochain, grosso modo, il ajoute « Comme je suis obligé de l'observer par la profession que j'ai faite d'être chrétien, vous devez être plus facilement persuadé que je ne viens ici qu'avec un cœur rempli de douceur et de paix pour en faire part à mes enfants, les assister en toutes choses et leur donner des témoignages d'une amitié sincère et véritable. Prenez donc courage, mes enfants, les Onontagués, les Agnés, les Onéyoutes, les Goyogouins, les Tsonontoans. Ne prêtez point l'oreille aux conseils que certains brouillons qui veulent vous donner des ombrages et des soupçons de mon approche et qui, faisant semblant de prendre part à vos intérêts, ne songent qu'à votre ruine et à votre perte. Écoutez-moi et vous confiez en mes paroles, je suis franc et sincère et je ne promettrai rien que je ne vous tienne exactement, désirant aussi que vous fassiez la même chose de votre part. La crainte que j'ai de troubler cette paix que je vous promets, m'empêche de vous reprocher toutes les trahisons que vous avez autrefois exercées sur mes neveux, donc les Français et ses alliés autochtones. Non, je ne veux pas effacer dessus vos visages cette joie qui m'y paraît, et je me contente de vous dire seulement que vous fassiez réflexion sur le passé et sur le présent, considérez la grandeur et la force d'Onuncio, regardez la quantité de gens qui l'environnent, donc la quantité de Français qui sont venus avec lui jusqu'à Cataraqui, en territoire presque iroquois. La facilité et la vitesse avec laquelle il a passé tous vos sauts et vos rapides et les a fait passer à des bateaux armés de canons que vous n'auriez pas cru qu'il eût pu conduire dans les rivières les plus douces et les plus tranquilles, et cela dans un voyage qu'il ne fait que par promenade et sans aucune nécessité. Hein? Frontenac se balade au lac Ontario par promenade et sans aucune nécessité. Jugez après de ce qu'il pourrait faire s'il avait envie de faire la guerre et d'opprimer quelqu'un de ses ennemis. Si vous pensez sérieusement à toutes ces choses, vous avouerez que c'est un bon père qui n'est point cruel et qu'il est l'arbitre absolu de la guerre et de la paix. Mes prédécesseurs l'ont fait avec vous et je vous la confirme présentement, la paix, vous promettant de faire observer ponctuellement tout ce qu'ils vous ont promis, mais avec la même condition qu'ils vous ont imposée, qui est que j'entends qu'outre les Français, tous les sauvages qui sont sous la protection du roi mon maître et ses alliés jouissent de cette même paix et que le premier qui la rompra soit pendu. C'est assez clair. Donc, on a un Frontenac ici qui est à la fois doux, aimant, un bon père, mais aussi vengeur, acrimonieux et... Pardon? Oui, on pourrait dire ça. Alors... Le deuxième mandat de Frontenac, donc, qui commence en 1689, ça change un petit peu. Les paroles vont se retrouver essentiellement transcrites au fur et à mesure des longues relations que son secrétaire Charles de Monseigneur écrit à chaque année à Versailles pour les informer, pour informer le ministre donc, de ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle les relations annuelles. Ces relations-là ont été transcrites presque mot à mot par Charles Leroy, dit Bacqueville-Lapoterie, dans son histoire de l'Amérique septentrionale. Et donc, on les retrouve presque mot à mot, et la plupart des historiens se sont basés sur les versions qu'a données Bacqueville. Alors, quelles sont les caractéristiques qu'on retrouve dans les discours de Frontenac? Rapidement,
Premièrement, vous l'avez vu, des discours fleuves. Hein? Je vous ai cité à peine un cinquième du passage du discours de Frontenac aux Iroquois en 1673, et ça continue. Donc, ce sont de très longs discours. On voit une maîtrise subtile des métaphores autochtones, les métaphores familiales notamment, insistant sur le rôle de père, le rôle d'enfant de toutes les nations qui sont frères entre elles, et le rôle de neveu parrain entre certaines nations, et lui se présente comme parrain de ses neveux qui sont les Français. On voit des cérémonies publiques auxquelles assiste la haute société coloniale. Frontenac le fait écrire spécifiquement dans plusieurs de ses discours qu'il a été donné à la Chambre du Conseil devant toute la bonne société, devant M. l'évêque, l'intendant, M. Lebert, M. Lemoine, donc toute la haute noblesse de Montréal. Et on voit aussi un homme qui exploite les coutumes autochtones avec un certain zèle. Alors, parmi les caractéristiques des discours, donc je vous dis des cérémonies publiques, on voit ici l'audience qu'il lui a donnée le vendredi 11 septembre 82 à Montréal par M. Lemoine, servant d'interprète, prenant M. Perrault, et là, il énumère tout le monde qui est présent. On a d'autres documents où Frontenac fait signer tout le monde à la fin pour montrer qu'ils étaient présents. Autre caractéristique des discours, donc l'importance accordée à la pantomime. Je ne sais pas si vous connaissez le célèbre moment où Frontenac prend la hache et se met à danser et à chanter pour faire prendre la hache à ses alliés pour partir en guerre, donc contre les Anglais de New York. C'est la seule occurrence qu'on retrouve dans toute la documentation du régime français d'un gouverneur qui aurait fait ça. Et ça a été souligné amplement par les historiens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment le savoir? Ça rentre dans une mise en scène du gouverneur. Autre caractéristique, l'exploitation des coutumes. Donc, ici, vous voyez Frontenac, vengeur. Il fit présent de son prisonnier Onontagué à M. Lecomte, donc ça, c'est un Huron, qui a cru, malgré la violence que cela lui faisait, que pour le rendre un peu la change, donc pour rendre un peu le change à ceux de sa nation, les Onontagué, des cruautés qu'il nous faisait souffrir tous les jours, il devait le mettre entre les mains des Algonquins pour le faire mourir. Donc, c'est la coutume autochtone de mettre à la chaudière les captifs. Eh bien, Frontenac utilise cette image-là. Des réceptions à la table du gouverneur. On voit souvent dans les discours de Frontenac souligner qu'il a reçu à sa table tous les chefs, un à chaque soir, par exemple. D'autres caractéristiques du discours, donc une alternance entre la menace et la conciliation, c'est systématique dans les discours de Frontenac. L'autoritarisme, ça ici, c'est un des plus beaux passages que j'ai trouvé dans ses discours. Alors, quand il se rend à... Quand il reproche aux Iroquois de l'avoir convoqué à Chouaguen plutôt qu'à Cataraqui, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit « Il faut que la cabane, c'est-à-dire les cinq nations, la Maison Longue, qu'on les appelle aussi, se souvienne que ce n'est point à des enfants à marquer le lieu où ils désirent que se trouve leur père, mais au père à assigner aux enfants un lieu où ils désirent leur parler. Hein? » Vous voyez donc un gouverneur extrêmement autoritaire, imbu de son pouvoir. Le rôle de médiateur du gouverneur, il revient systématiquement dans les discours de Frontenac. Je vous épargne les citations. Vous l'avez déjà vu en 1673. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un processus de mythification, donc un homme qui construit son propre mythe sur les attentes que ses supérieurs ont de lui. Grosso modo, Frontenac se montre à l'image de Louis XIV. Dans ses discours, il se fait un Louis XIV de lui-même, un roi soleil en Nouvelle-France. Pourquoi? Parce que ça sert à contrer les critiques qui fusent de toutes parts contre lui dès le début de son gouvernement, parce qu'il établit le fort Frontenac et qu'il essaie de contrôler le commerce des fourrures, en empêchant l'intendant de faire pareil de son côté. Et les documents servent à combattre ses ennemis dans ses relations avec ses Autochtones. Donc, il écrit, c'est encore Monseigneur qui écrit, « Il n'avait jamais douté de la fidélité, celle de Réouaé, un ancien galérien iroquois qui l'a ramené dans la colonie,
contre le sentiment de beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas si bien que lui. Donc, c'est une critique directe à l'intendant et à l'évêque. Je continue. Donc, des relations panégyriques. Celle-ci, elle est magnifique. On ne peut croire quelle fut la joie du public à la vue d'un si grand nombre de richesses. Il y avait plusieurs années que tout le Canada attendait avec impatience le prodigieux retour du castor, le prodigieux amas de castor qu'on disait être, merci, à Michilimackinac. Le marchand, l'habitant et autres particuliers qui pouvaient y avoir des pelleteries mouraient de faim avec du bien dont ils n'avaient point de jouissance. Le crédit était épuisé et la crainte universelle que les ennemis ne se rendissent maîtres en chemin de ce qui était la seule ressource du pays. Aussi ne trouvait-on point de terme assez fort pour louer et adorer les bénédictions à celui par les soins duquel tant de bien arrivait. Le nom de père du peuple et de conservateur de la patrie, si utilisé depuis 4 années, semblait n'être pas assez significatif. Et ça, c'est dans Les Relations, juste après un long discours. Et celui-là ici, donc, nos intérêts... Non, pardon, pas ça. Je vous ai dit que Frontenac voulait se faire passer pour un Louis XIV. Regardez comment il se rend en Iroquoisie en 1696, en roi de guerre. Il va au siège avec son armée, comme Louis XIV se présente devant l'armée au siège. Et donc, c'est clair que sa diplomatie se veut à l'image de celle du roi Soleil. Il fait écrire à son secrétaire, « Aurait-ce été soutenir l'honneur de la nation française que de recevoir des propositions de paix de la part de la plus formidable nation sauvage qu'il y ait dans ce continent, à la vue d'un simple particulier ou celui ou au quoi que chargé de ce qu'il doit de la parole de tous les autres, demandait que nous alliassions chez les Anglais. » Et là, j'attire votre attention sur la fin. « Ne doit-on pas convenir que M. le comte de Frontenac a suivi dans sa conduite l'exemple de l'auguste roi dont il représente la personne en Canada, donnant à ses ennemis, après les avoir humiliés par une forte guerre, les moyens de parvenir à une bonne paix sans marquer aucune faiblesse ni même beaucoup d'empressement de son côté, sans réservant toujours les conditions et leur déclarant que s'il ne voulut pas les accepter de la manière dont il leur offre, ils ne peuvent jamais l'espérer qu'après la destruction de l'une ou de l'autre nation. » Donc, grosso modo, on reprend vraiment la politique de Louis XIV. Et à la fin de son mandat, donc de son deuxième mandat, on constate que tout le projet de mythification est complété, que le mythe, donc, existe. Et Bacqueville de la Poterie, en 1701-1702, écrit « Il n'y a point eu de gouverneur général de la Nouvelle-France qui ait soutenu la gloire du roi avec plus d'éclat dans ce vaste pays que feu M. le comte de Frontenac, qui en faisait l'amour et les délices, ni qui ait plus humilié les Iroquois, nation la plus fière et la plus redoutable de toute l'Amérique. Il a porté le fer et le feu chez eux, et quelques efforts qu'il ait pu faire, il les a enfin forcés à lui venir demander la paix. » Donc, grosso modo, la politique de Frontenac a été le succès de la Nouvelle-France. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Goyer, pour cette présentation. Je pense qu'on aura compris que, hein, on pourrait s'entendre si Frontenac avait vécu de nos jours. Il aurait été beaucoup sur les réseaux sociaux, avec l'autopromotion. Il aurait très bien fait sa campagne lui-même d'autopromotion, hein? Je pense que c'est assez manifeste. Alors, merci beaucoup. On n'a malheureusement pas le temps pour des questions, mais je vous invite à peut-être, comme on dit familièrement, accrocher notre conférencier pendant qu'il va circuler parmi vous pour lui poser vos questions de façon personnelle. On se retrouve dans quelques minutes avec la prochaine activité, donc un entretien entre la romancière historique Micheline Baille et la journaliste Anne-Josée Cameron. Donc, on va vous installer ça dans quelques instants. Restez avec nous, s'il vous plaît. À tout de suite.